Ce lundi 12 décembre, Patrick Bruel est l'invité de Nathalie Lévy dans En aparté sur Canal+. Dans un extrait que nous vous dévoilons en exclusivité, le chanteur fait de rares confidences sur la drogue, sujet qu'il évoque dans l'une des chansons de son nouvel album. Patrick Bruel a fait son retour sur le devant de la scène avec la sortie le 18 novembre dernier de son nouvel album, Encore une fois. Il contient 14 titres inédits et 2 chansons bonus. Le 12 octobre dernier, sur sa page Instagram, le chanteur de 63 ans a partagé la pochette de son nouvel opus. En légende d'une vidéo filmée dans les coulisses du shooting, il a écrit le message suivant, « Heureux de partager avec vous la pochette de Encore une fois, nouvel album à paraître le 18 novembre prochain. J'espère qu'elle vous plaira. » Dieu sait si la drogue était partout ce lundi 12 décembre, Patrick Bruel est l'invité de Nathalie Lévy dans son émission En aparté diffusée sur Canal+. Dans un extrait inédit, l'artiste parle ouvertement de la drogue, un sujet qu'il évoque dans l'une des chansons de son nouvel album, et qui s'intitule La chance de pas. Ça m'a interrogé que vous parliez de ça, lui lance alors la présentatrice. Vous avez tenté, j'imagine, ça circule, et vous avez toujours résisté? Lui demande-t-elle ensuite. Ce à quoi il répond, je n'ai pas eu à résister. J'ai eu la chance de ne pas avoir même à résister et pourtant Dieu sait si la drogue était partout, que ce soit au lycée, en fac, que ce soit dans les voyages, dans les soirées, dans tous les milieux que j'ai pu fréquenter, que ce soit le nôtre ou que ce soit tous les autres milieux, parce que personne n'y fait exception. J'ai juste eu la chance de pas dans ce même extrait inédit, Patrick Bruel révèle la genèse de ce titre. C'était de voir des amis que rien ne prédisposait à ça. Je ne juge pas, si est-il juste une main tendue. Je ne juge pas parce que je ne suis pas mieux, j'ai juste eu la chance de pas, confie-t-il. Et pourquoi, selon lui, il n'y a jamais touché? Parce que sans doute la famille, la bande de copains, cette fameuse bande de place des grands hommes. C'était une bande très solide qui rattrapait par la main celui qui pouvait éventuellement avoir un problème ou glisser, explique-t-il. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal. À lire aussi Il est taquin, Patrick Bruel surpris par un message de son cousin, Elie Semoun, dans Télématin.